Range-moi ça. Tu regardes bien. Alors, monsieur Carême, tout est prêt? Il faut bien monter. Toi? Monseigneur nous a prévenus très tard. Il y a encore beaucoup de désordre là-haut. Quelle fumée! À tout à l'heure. Tiens, tiens! Monte déjà le foie gras. Il faut jamais voyager à vide. Quelle heure est-il? Bientôt minuit. Eh bien, vivement qu'on se bâche. Tu vas rentrer bientôt, tu crois? Bon, avec lui, on peut pas savoir, hein. J'étouffe. Et l'orage, hein? Ouais, il pose seulement dans le ciel. T'as raison. Allez, avec son malfamé à ce moment. Avec tous ces griffetons qui traînent la semelle, hein. Et rien que des Anglais et des Allemands. On va pas les laisser rentrer. Ouais, ils sont là. Il faut faire avec les occupants. Oh, puis c'est pas notre truc. Mais reluque-moi tout ce bazar, on en a pour des plombs d'arranger tout ça. Arrête, il arrive tout juste. Hier encore, il était à gang, alors donne-lui le temps de souffler, de se remettre dans ses meubles. Et où il est? Tu le sais, toi? Chez Wellington. Salaud d'Anglais, va. T'as vu? Le diable boiteux. Ouais, il mange chez l'anglais maintenant. T'en fais pas pour lui, hein. Il est de tous les râteliers. Et y a qui ce soir à la maison? Tu le sais très bien. Le gros Carême à ses fourneaux, le serveur à la porte, et nous pour le service. Et la petite nièce? Elle l'attend dans son dodo, comme toutes les nuits. Pour un petit bonsoir. 40 berges de moins que lui. Et luisante. On comprend qu'elle le réchauffe. Ouais, prends-moi ça. Hein. Ça et ça. Deux couverts? Pourquoi deux? Il a un invité. Alors quel invité? T'as vu ce qui les attend à la cuisine? Un vrai souper de roi. Ou de reine. On la connaît? En tout cas, celle-là, il ne veut pas la montrer. Sauf à nous. Oui. Nous, on a sa confiance. Regarde-moi ça. On est dans le beau drap. Qu'elle fout la rousse. Au moins du temps de Fouché, il y a une police. J'aime pas le peuple.
gens sont curieux ce soir. Oui. Et ils n'aiment pas beaucoup ceux qui roulent carrosse. Un peu plus, on la prenait sur la cabèche, celle-là. On peut encore s'esbigner par le jardin. Tu m'accompagnes ? C'est lui. Tiens, tu mets ta perruque. Quelle joie d'être reçu chez vous. Je n'avais jamais eu ce privilège. Je vous prie d'excuser ce désordre, monsieur Fouché. Mais j'étais encore à Gand avant-hier. Et les scellés avaient été apposés sur ma porte. Non. Mais vous qui savez tout, je ne vous apprends rien. En quel temps nous vivons ? Avez-vous fait mon voyage ? Excellent. J'étais avec Sa Majesté. Sans vous, elle serait encore à Gand. Elle est encore à Saint-Denis. Vous avez manœuvré une fois de plus divinement en sa faveur. Je vous remercie. Vous pouvez imaginer le plaisir que je ressentis quand je vous aperçus chez Wellington. Avez-vous remarqué comme il s'était forcé de nous tenir loin l'un de l'autre? Alors que de toute l'assemblée, vous étiez le seul dont j'espérais la conversation. Vous me comblez. Mais nous sommes gens à nous parler. Demain, j'ai audience à Saint-Denis chez le roi. De couvert. Vous étiez bien sûr de vous, monseigneur, en me proposant tout à l'heure à souper. Nous sommes seuls. Je ne vous suffis pas, monsieur Fouché. J'ai pour ma part une petite faim.
De basse mine, oui, je sais, mais muets comme des cadavres. Ils m'appartenant corps et âme. Asseyez-vous, je vous en prie. Depuis combien de temps n'avons-nous pas causé dans le particulier? Le temps vous aurait semblé long. Oui, vous me manquiez, monsieur le duc. J'aurais osé l'espérer. Plus les temps sont troublés, plus l'amitié est précieuse. Je dirais même nécessaire entre certaines personnes. Oui, les circonstances. Elles rapprochent à de certains moments. Alors remercions-les. J'ai toujours pressenti qu'un jour, nous aurions ce face à face. Et qu'il nous faudrait décider du cours des choses. En somme, nous entretenir à cœur ouvert. Nous sommes faits pour nous comprendre. À demi-mot. Ce sera suffisant. Oui. Nous ne sommes ni des soldats, ni des hommes de cour auxquels il faut tout expliquer. Oui. Nous nous tirons les fils. À ce jeu-là, je suis le maître. Pas toujours. Ne m'avez-vous pas dit à l'instant que Jacques Massoulier et Jean Vincent vous appartenaient corps et âme? Mes deux valets? Ils seraient en affaire avec vos services? Il ne vous semble pas qu'il fait très chaud? J'ai toujours froid, monsieur Fouché, même quand il fait chaud. J'ai froid. C'est de nature. Et puis, il y a quelque chose en vous d'hivernal. Je vais augmenter mes valets. Ils le méritent. Je connais leur gage. Faites un effort, monseigneur. À notre amitié. Oui. Est proverbial. Je vais vous le prouver. Foie gras truffé. Du Périgord, donc de chez moi. Prince, vous savez vivre. Une habitude, monsieur Fouché. Le savoir vivre et le savoir mourir. Cela chez nous se sait à la naissance. À votre avis, combien de temps avons-nous pour souper dans le calme? Alors, Fouché, combien de temps? Très peu de temps. Pas plus? Guère plus. Je ne contrôle plus que mes agents qui risquent d'être débordés à tout instant. Nous devons redouter l'émeute. J'en ai l'expérience. Croyez-moi, ils feront pas le détail. Disons 2 heures. 2 heures pour trouver un régime à la France. Il reste que cette fois, ce ne sont pas les alliés qui sont sous vos fenêtres, mais le peuple parisien. Qui nous déteste. Qui vous déteste. Et n'attend pourtant son salut que de nous. Nous sommes d'accord sur ce point, Fouché. Si vous le voulez bien, nous partirons de là. Pour aller où? Où que nous allions, je crois que nous cheminerons ensemble. Auriez-vous besoin de mon bras? Oui, comme vous avez besoin de ma tête. Si j'ose dire. En somme, il était temps pour nous de renouer. À défaut de trancher. Encore un peu de ce foie gras? Prince,
Être traité par vous, c'est presque vous appartenir. Regardez la suite. Asperge en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Et ce champagne. Cadeau du duc de Wellington. Il y a meilleur goût chez vous que chez lui. Que vous a-t-il semblé de Wellington ? Je l'ai trouvé tout à fait creux. Il n'est plein que de lui-même. Mais d'un ennui. Désespérant. Heureusement qu'il a pour lui d'avoir gagné à Waterloo. Mais servez-vous, monsieur le sénateur. Servez-vous. Comme cette formule est politique. Avant tous deux qu'une carte à jouer, vous le savez fort bien. Mais peut-être auriez-vous également un projet pour la France. J'en ai plusieurs, monsieur l'ancien chef du gouvernement de Sa Majesté. Plusieurs ? Racontez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, qu'est-ce que j'ai loué ? Ils viennent répéter ici toutes les nuits après avoir joué aux Italiens. Minuit, c'est l'heure où ils arrivent. Un orchestre. Je reçois ces jours-ci le colonel Orloff et le prince de Metternich. Et j'ai pensé que s'ils faisaient chez moi leur entrée en musique de leur pays, cela pouvait les prévenir en faveur de la France. C'est une valse, une nouvelle danse. Elle faisait fureur au Congrès de Vienne. Et votre orchestre, il dort ici ? C'est une question que je ne me suis jamais posée. Demandez-le à mes valets. La situation n'est pas simple. La Chambre a proclamé Napoléon II empereur. Le fils de l'ogre ? Soyons sérieux. Et Marie-Louise régente. Je me permets de vous le rappeler. Saumon est une merveille. Il vient du Rhin, par courrier spécial, de Strasbourg à Paris. Je pense que chez Wellington, on mange du bouilli dans de la marmelade. Je vous accorde que l'Aiglon n'est pas un prétendant très sérieux devant l'opinion. Mais il n'est pas le seul à postuler. Il y a Louis-Philippe d'Orléans. Le fils du régicide. Allons. Tout ça est si loin. Non, pas si loin, monsieur Fouché. Je ne pense pas que le tour du duc d'Orléans soit encore venu. Voyons plus près. Plus près ? Oui, tout près. Le peuple ? Mais où avais-je la tête ? Bien sûr, le peuple français ! Ah non, 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 ne riez pas. Une république revenue de tous ses excès et délivrée de ses illusions serait une solution à la vacance du pouvoir. Vous voulez revenir au directoire, Fouché ? Ce 7 juillet 1815, à minuit, la France est à qui la voudra, et jamais son gouvernement ne fut plus provisoire. Je sais que vous présidez, monsieur Fouché, mais que présidez-vous, en fait ? Un troupeau de parlementaires hébétés, encore sous le choc de Waterloo. Que surgisse demain un homme résolu, et ils se coucheront. Le voilà le danger. Un nouveau Bonaparte issu du peuple, et dont l'autorité se nourrira de la faiblesse du pays. J'estime plus prudent de nous donner nous-mêmes un maître que nous connaissons, et qui aura besoin de nous. Un maître dont vous présiderez le conseil, encore une fois. Mais cette fois avec vous près de moi, Excellence. Un voisinage dangereux. Et qui vous permettra de ne pas me perdre de vue.
Vous me surveillerez, Fouché. Vous me surveillerez de près. Vous verrez, ce sera très intéressant. Oui, je suis persuadé, Excellence, mais nous jouerons à cela plus tard, si vous le voulez bien. Il y a plus urgent. Bon. S'il vous plaît, revenons au Bourbon. Je crains qu'il ne soit plus accepté par le peuple. Vous craignez? Vraiment? Je crains si je me mets à votre place. En tranchant sans façon la tête du roi, nous avons démontré qu'il n'était qu'un homme ordinaire. En effet, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête pour cela. Alors une deuxième restauration dans ce pays, après ce qu'il a vécu depuis un quart de siècle, me paraît pour le moins décevante et difficile. Alors? Alors la monarchie n'est plus de droit divin. Mais qu'une solution, mais parmi plusieurs, une solution fragile et aujourd'hui impopulaire. Il faudra l'imposer aux gens. Et avec quelle force? Il n'y a plus d'armée française. D'ailleurs, bien longtemps qu'elle n'était plus royaliste. Et quant à ma police, bien que puissante, elle ne put réprimer à elle seule une insurrection générale. Et puis, pourquoi ne pas vous le dire, monseigneur? Je n'ai pas envie de faire tirer sur le peuple. Mais quel gouvernement a envie de faire tirer sur le peuple, monsieur Fouché? Disons qu'un gouvernement, conscient de sa responsabilité envers le peuple, est parfois obligé de faire disperser des attroupements de factieux, dans l'intérêt même du peuple. J'ai un projet. J'en suis très curieux. M'appuyant sur les Jacobins, je dissous le gouvernement et forme un pouvoir communal et de salut public où se retrouveront tous les républicains. Des conventionnels repentis au-dessus de l'Empire. Vous verrez, ça fera beaucoup de gens. Rien que des Parisiens. Paris n'est pas la France. Depuis 93, Paris donne le ton et la province suivra. Mes agents me l'assurent. Elle n'a aucune raison de ne pas faire confiance à une république assagie, égalitaire. Une république espérée en secret par tout le pays. Et que je lui prépare avec soin depuis des mois. Alors, si vous pouvez faire comprendre au gros Bourbon que préférable pour lui de repartir une fois de plus et définitivement vers la Belgique avec les siens. Soit que je me ferai un devoir de vous confier les relations extérieures à mon côté, dans mon gouvernement. Vous êtes sérieux, Fouché? Qu'en pensez-vous? En tout cas, vous ne manquez pas d'imagination. Cette façon de disposer des hommes et des événements sur le papier, vous êtes un poète. Et j'ai les moyens de donner vie à mon poème. Il me suffit d'y croire. Vous avez bien dit asperge en petits pois? Oui. Une recette que je dois à monsieur de Cussy. Vous découpez le tendre de l'asperge en forme précisément de petits pois. Vous le lavez, l'ébouillantez, vous le passez au feu avec un bon morceau de beurre, un peu de sarriette, un clou de girofle. Et pour finir, vous y mettez une liaison de jaune d'œuf avec un dé de crème fraîche. Je finirai par croire mes agents qui m'assurent que vous passez une heure chaque jour dans vos cuisines. Ils vous trompent, monsieur Fouché. J'en passe deux. Comme on nourrit les gens, on les connaît. Ces soudards en veulent à vos vitres. Vous nous gâtez les perdrix. Plus cher. Savez-vous qu'il voulait faire sauter le pont d'Iéna simplement parce que ce nom lui rappelait un mauvais souvenir? Ces gens se croient chez eux. Fouché, ne laissons pas la situation pourrir. Pour moi, la restauration... Ah, ne me bousculez pas.
Je sais, oui, vous ne voyez que les Bourbons, vous n'entendez que les Bourbons, quoi. Vous n'avez que Bourbon en tête. Je comprends qu'il vous fasse peur. Je suis duc, sénateur, conseiller d'État, et je préside le gouvernement. Les Jacobins sont à ma botte et la République à nos portes. Alors vous ne m'intimiderez pas. Personne ne m'a jamais intimidé. Et j'ai la police. Il vous reste en effet quelques agitateurs. C'est suffisant pour retarder la restauration, mais non pour rétablir la République. Il faut vous y faire, Fouché. L'avenir aujourd'hui est au passé. Les Bourbons sont les seuls à présenter certaines garanties. Oui, pour vous. Pour moi. Et pour vous, si je m'en mêle. Et même pour le pays. Alors Louis XVIII. Encore. Eh oui, un homme qui a le soutien des alliés. Il ne faudrait pas l'oublier, Paris est occupé. L'occupant a son mot à dire. Et il l'a dit. Vous avez entendu Wellington ce soir? Louis, I love your Louis. He's the best. À ce train-là, demain matin, je n'aurai plus que mon verre de montre. Ça, c'est un coup républicain. Marseillaise. Amis Jacobins. Finiront par venir nous tuer dans ce salon, monsieur Fouché. Vous peut-être, oui. Mais pas moi. Rétablissons la légitimité, Excellence. Il n'y a pas une heure à perdre. On n'attend plus que vous. En effet. Si le roi veut coucher aux Tuileries ce soir, il n'attend plus que moi pour lui faire la couverture. C'est indubitable, il a besoin de vous. Et en ce moment. Vous n'aurez jamais de rival à la police. Et le roi ne l'ignore pas. On a toujours besoin d'un grand ministre à la police. Avec une bonne police, il ne peut y avoir qu'un bon gouvernement. Puisque personne n'ira jamais dire qu'il est mauvais. Sauf tous ceux qui sont en prison pour avoir dit qu'il n'est pas bon. Il est vrai que les gens qui sont en prison sont de mauvais citoyens, donc leur avis ne compte pas. Non, qu'ils en aient un et même une insolence à l'égard du pouvoir. Bon. Admettons que le roi se sent obligé de me faire bonne figure. Mais il y a dans ce pays plus royaliste que le roi. Les ultras, oui. Mais il ne jure que par vous. Même cet enragé de Crusol est venu supplier le roi de vous rappeler aux affaires. Et le beau sexe, Fouché. Le beau sexe, il n'a de regard que pour vous. Je sais que par vertu, vous préférez vous tenir loin de ses appâts. Mais tout de même, monsieur le président, toutes ces avocates que vous avez dans le faubourg ont de quoi vous rassurer. Monsieur Fouché, tout le faubourg vous veut. Ne me dis plus pas de lui faire un peu peur. Ça ne durera pas. Dès que tous ces gens auront cessé d'être inquiets, je leur paraîtrai moins aimable et lâcher entre leurs mains. D'ici là, vous aurez établi sur chacun d'eux un dossier à rougir, plein de détails délicieusement compromettants. Et vous les tiendrez à leur tour. Vos nouveaux amis du faubourg. Oui, oui, j'y ai pensé, oui. Mais c'est à votre soin. Jamais vous ne cessez de penser à vos dossiers. Ils sont vos souvenirs d'amour. Je sais que j'ai moi-même un dossier chez vous. Qui n'en a pas? Moi. Mais un comme le vôtre, monseigneur. Aussi complet, aussi terrible. Il en est peu. Vous me flattez. Il est vrai que depuis le temps que nous nous connaissons. Depuis combien de temps, Fouché? Depuis toujours. Nous nous connaissions avant de nous connaître.
Ainsi parlent les amoureux. Puis-je vous prier, Fouché, de m'aider à étendre ma pauvre jambe? Elle me tire vers le bas. Je crois qu'elle sera en enfer avant moi. Mais revenons à nos rapports. De police? Précisément. N'est-ce pas moi qui vous ai fait nommer, et justement la police, en l'an 8? Dont vous m'avez fait révoquer le 28 fructidor de l'an 10. Pour vous faire entrer au Sénat. Et en messidor de l'an 12, Napoléon, sur mon conseil, vous redonnait votre chère police. Et vous deveniez son Excellence Monseigneur le sénateur ministre. Et vous, vice-grand électeur? Le seul vice qui vous manquait, Dieu. Fouché, je vous fais rire. On voit aux Tuileries lorsque le Corse découvrit votre petit complot en faveur de Murat. Pendant 3h15, j'ai regardé ma montre et il vous couvrit d'insultes. Un quart d'heure de plus que vous le lendemain de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Nous sommes les deux hommes qui l'aura le plus insulté. Et pourtant, vous l'aimiez. Ne lui avez-vous pas écrit « Je ne suis pas complet quand je suis loin de vous » ? Et les deux seuls dont il n'aura jamais pu se passer. Deux prêtres. Un petit frère, moi, et vous, évêque par décret royal. Enfin, tout évêque que j'étais, savez-vous combien de fois j'ai dit la messe ? Oui, 7 fois. Imbattable. En tout cas, petit frère ou évêque, aux yeux de Dieu, une onction est une onction et nous avons tous deux défroqué. Vous vous êtes gâté à plaisir, monseigneur. Pas à plaisir. On m'a poussé vers Dieu. Sur ce pied-là. Et peut-être lui en ai-je voulu. À votre pied? Non, à Dieu. S'ennuie pas avec vous, monseigneur. Et moi qui m'ennuie tant avec moi-même. On ne saura jamais foucher tout ce que ma carrière doit à mon ennui. Que n'ai-je fait pour le fuir? On vous dit pourtant paresseux. Que n'avez-vous été davantage, Fouché? J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne suis pas toujours dans la joie, mais je l'ai fait. Alors faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Faites en sorte, Fouché, allez, faites en sorte. Mais quoi? Faites en sorte que Paris soit paisible? Faites en sorte que le roi rentre tranquillement dans sa ville? Faites en sorte que vous présidiez de nouveau son conseil? Mais oui, je le peux, bien sûr. Mais Louis de retour et sa père oubliée, quel sera mon emploi? J'ai peut-être beaucoup d'imagination, monseigneur, mais... Oh, je vous imagine très bien, d'ici 2 ou 3 mois, me proposant, avec l'accord du souverain, une ambassade au pays des Peaux-Rouges. Ou bien me délivrant un mandat pour visiter les bergeries dans les provinces du Midi. Mais je ferai un très bon inspecteur des bergeries. Je m'y connais comme personne en bélier mérinos. J'en élève un troupeau dans une de mes fermes en Provence. À votre avis, monsieur le vice-chancelier, mon avenir ne serait-il pas dans l'élevage en grand du bélier mérinos? Écoutez. Quoi? Le silence. Tout cela. Que peuvent-ils attendre? Ils savent que nous sommes ensemble. Oui, vos agents ont déjà répandu la nouvelle. Alors ils attendent le résultat de notre rendez-vous.
Je réfléchis, Fouché. Comment pourriez-vous parvenir jusqu'au roi sans que je vous ferais le passage? Il y a, vous le savez, entre Sa Majesté et vous, ce mot tranchant que vous avez laissé tomber ce matin de janvier de 1793. Il était question ce matin-là à l'Assemblée de la mort de Louis XVI. Vous vous en souvenez, et lors du vote, quand on vous a prié de donner votre avis. Oui, Louis XVIII n'a jamais eu un amour débordant pour son aîné, ça je vous l'accorde. Mais si les rois sont toujours prêts à s'exterminer en famille, ils ne supportent pas qu'un étranger au clan vienne leur donner de la lame. L'ancien régime. Il revient, il est aux portes de Paris. Avec lui, les préjugés, les rancunes, les indignations jadis. Pour Sa Majesté, par exemple, avez-vous une idée de ce que vous représentez? Le seul homme qui puisse la faire entrer dans Paris sans combat. Cela, c'est votre utilité, pas votre identité. Non, pour Louis XVIII, il faut que vous le sachiez, vous n'êtes pas plus président que ministre, que sénateur, que policier en chef, que duc d'Otrante. Il ne sait même pas où c'est, Otrante. Mais je lui apprendrai. Vous me l'apprendrez en même temps, car moi non plus, je ne sais pas où c'est. Non, à ce que j'ai pu constater en conversant avec Sa Majesté, votre histoire pour lui s'arrête au 16 de janvier de 1793, à ce vote fâcheux. J'ai un remords. Mais pour le saumon. Allez, mon cher, allez. Et servez-moi, s'il vous plaît, pendant que vous y êtes. Ah, ce vote désastreux auquel vous avez dû participer. Le roi, dans sa grande bonté, pourrait essayer d'oublier les mariages républicains de Nantes. Je n'ai fait que des carriers. L'aider à ligoter nul un contre l'autre une nonne et un prêtre, et à les envoyer s'aimer dans le fond de la Loire. Tout nu. Avouez tout de même. Et à Lyon, votre façon de faire la justice républicaine. Enfin, Fouché. J'en ai prémis un soulèvement royaliste. En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en faisant tirer dessus au canon. Fouché. Au canon. Ah oui, ils étaient très nombreux. C'est parce que le canon est moins précis que le fusil que vous lanciez les cavaliers sur les corps pour finir le travail au sabre? Non, c'est parce qu'on était pris dans le feu de l'action, alors. Et il y a si longtemps. Votre jeunesse jacobine avait de ses inventions. Ah, ce vote. Que n'étiez-vous en Amérique ce 16 de janvier de 1793? Bon. J'étais à l'Assemblée, oui. Les circonstances l'ont voulu. Je comprends, bien sûr. Mais c'est au roi qu'il faudrait expliquer qu'il n'y a plus rien de commun entre le conventionnel Joseph Fouché et le tout récent duc d'Otrante. En somme, j'aurais besoin d'un très bon avocat. Un très bon avocat. Qui connaisse le fond de votre cœur et qui est l'oreille du roi. Vous êtes impayable. Oh, alors, vous savez bien que non. Oui, c'est vrai, oui. Ah, vous venez très cher, hein? Toute l'Europe le sait. Pour un prince, un ministre, un roi qui n'est payé pour vos services. Jusqu'à vos audiences que vous vous faisiez rétribuer. J'ai dans votre dossier le détail de tous les pourboires que vous avez perçus indûment et frauduleusement. 7 pages in octavo en petit texte. Permettez que je m'installe. L'Angleterre, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les gens d'église, les banquiers, les ambassadeurs et les rois, même les juifs d'Alger, ils vous ont tous payé 117 millions et 690 francs dans votre poche. Arrêtons de nous chamailler, je vous prie. Oui ou non, voulez-vous que je parle de vous au roi? Mais vous me ferez mourir de rire. Votre papa, quand il remettra son gros cul sur le trône, si je le veux bien.
Parlez plus bas, je vous prie. On ne sait plus ce que l'on mange. Excusez-moi, mais si vous voulez présider de nouveau son conseil, il lui faut s'asseoir de nouveau sur le trône. Et ça ne dépend que de moi et de moi seul. Alors ne venez pas lui chauffer les oreilles. Alors, Fouché. Mais j'irai plus loin. Il me suffirait d'apparaître, d'appeler les Jacobins. Là, dans la rue, ils envahiraient votre salon, feraient un feu de tous vos meubles et vous culbuteraient par-dessus votre balcon. À quoi cela vous avancerait-il, monsieur Fouché? Les alliés ne permettront pas une nouvelle république en France. Et si vous vous manifestez en sa faveur, votre carrière est finie. Réfléchissez. La restauration est la seule voie raisonnable. Maintenant que le danger corse est conjuré, nous pouvons l'emprunter sans aucun risque. Croyez-moi, cette restauration-là sera la bonne. Mais elle peut se passer de vous. Oui. Votre position auprès du roi peut être compromise. Elle le sera, si je veux. Alors, ne m'obligez pas à le vouloir. Mon dossier. J'oubliais, il y a mon dossier. Quelle menace. J'en tremble. Oui, ça vous pouvez. Savez-vous pourquoi mon dossier ne peut rien contre moi? Parce qu'il est de notoriété publique. Il ne peut rien apprendre à personne. Au roi, moins qu'à quiconque. Je suis, tout le monde le sait, un concussionnaire, un prévaricateur, un débauché, un évêque apostat, renégat, schismatique. J'ai marié une catin divorcée qui plus est indienne. Oui, et ma maîtresse vit sous mon toit, elle a 18 ans, elle est la femme de mon neveu, toute la France en parle, et s'en accommode fort bien. Non, vous savez ce qui compte aux yeux des gens, c'est mon talent. Il suffit à me préserver de tout. J'en parlais encore au roi tout récemment. Comme s'il y avait chez moi quelque chose d'inexplicable qui porte malheur au gouvernement qui me néglige. Intéressant. Maintenant, monsieur le sénateur, regardons devant nous. Demain matin, je vais à Saint-Denis m'entretenir avec le roi. Je peux m'entremettre pour vous. Vous entremettre? Je lui ferai valoir votre talent et tout ce que l'État peut encore espérer de vous. Sa Majesté Louis XVIII a le sens de l'État et le souci de la continuité dans le service. Tous vos dossiers vous vaudront bien de revenir à la police. Pour l'instant, je préside le gouvernement et la garde nationale est sous mes ordres. Je n'ai qu'un mot à dire. Et le roi n'aura plus qu'à retourner coucher à Gand, mais il le sait. Il sait parfaitement qu'en dépit de sa forme sphérique, il ne peut regagner les Tuileries par la voie aérienne. Alors si le roi connaît mon pouvoir, s'il sait qu'il a besoin de moi pour contenir les Jacobins qui tiennent eux-mêmes la rue, qu'ai-je besoin d'un avocat? La cause est entendue d'avance. Il n'est qu'à me présenter seul à Saint-Denis, il sera reçu tout de suite. Et je me ferai un plaisir de saluer Sa Majesté de votre part. Et là, vous le constaterez très vite, une mémoire de jeune homme et un entêtement de mule. Avec cela, rancunière, tatillonne, n'ayant rien oublié ni rien appris. Et donnant quelquefois l'impression qu'elle préfère mourir en exil plutôt qu'être obligée de composer avec certaines gens. N'oublions pas non plus que chez les rois, l'intérêt politique est très souvent subordonné à ce sentiment qu'on appelait jadis le sens de l'honneur. Pour Louis XVIII, par exemple, un mot dit par étourderie, le matin de janvier de 1793, peut lui demeurer 20 ans dans l'oreille. Il est vrai que ce mot pesait son poids d'acier et que l'homme qui l'écoutait au banc des accusés était son frère. Quel que soit le besoin qu'il ait d'un homme, il peut très bien lui refuser à jamais son pardon. Lui interdire toujours son antichambre. Absurde, allez-vous dire? Et c'est pourtant ainsi que sont parfois les rois. Et c'est, compte tenu de ce qu'ils sont, que vous ne pouvez négliger le soutien de mon art auprès du souverain. Le soutien de votre art? Oui, pour faire oublier au roi Louis XVIII qu'il y a de cela 22 ans, vous avez fait couper en deux morceaux son aîné Louis XVI. Un portrait de famille? On ne les compte plus dans la maison. Nous avons des parents sur tous les murs. Et ce jeune homme?
Le petit-fils du grand Condé. Ah, le duc d'Enghien ? Lui-même. Encore un Bourbon, cousin du roi. Enlevé en pays de Bade, un pays neutre, et par des cavaliers français sur ordre de Bonaparte, jugé sans avocat, condamné sans la moindre preuve, et exécuté la nuit même dans un...